Vous allez bien, je veux encore me prononcer sur cette histoire de Safarel, Soukeina et Aïcha. Mais vous dites quoi, même? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Que Soukeina n'a pas le droit de manifester son ras-le-bol. Soukeina, celle qui a mis des jumeaux, deux garçons de Safarel, n'a pas le droit. Vous, j'entends ici les jalouses. Si elle est jalouse, c'est son droit. C'est son droit parce que Safarel a promis, a menti, a mitonné en disant qu'il va l'épouser. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, elle sort. Elle dit qu'elle ne veut pas de lui. Elle s'en fout. Vous trouvez que non, ce n'est pas le moment. Elle ne doit pas sortir. Elle devrait attendre d'abord que Safarel, avec sa femme, puisse savourer la lune de miel. Et puis elle assise avec ses enfants. Il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Vous encouragez la bêtise? Vous encouragez la bêtise? Les hommes qui sont là, qui cognent les têtes des femmes. Oui. Qui cognent les têtes des femmes. Et puis ils sortent gagnants. Ils sortent la tête haute. Oui. Arrêtez un peu. Soukeina sort là, elle sort là, parce qu'elle demande à manger pour ses enfants. Oui, elle dit, Safarel là, ce n'est plus son combat. Mais par contre, ses enfants là, ses jumeaux là, le père de ses enfants doit s'en occuper. C'est ça qui est le vrai point. Si elle est jalouse, elle est dans son droit.